Salut, Cédric. On a 8 ans. Allez, encore un peu. Ça peut pas faire de mal. Excuse-moi, gamin. Non, c'est toi, bébé. Tu peux attendre un peu, je me lave les dents. Tu sais bien que c'est sérieux, ce truc-là. Bien sûr, Cédric. Prends ton temps. Sacré gamin. Avec ton frangin. Oh, dis, il t'a rien fait, mon frère. Ouais, tu fais la tête, toi. T'as un problème avec Chen? Non, pas encore. Quelque chose me dit que ça va pas tarder. Ouais, c'est bon. Ça te va toujours aussi bien, Nicolas. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que t'as pris ce bronzage? Encore un week-end de ski? Non, c'est ma mère qui m'a emmené avec elle pour des UV. Pas mal, hein? Des UV? Ben, c'est quoi ça? Ça fait le même effet que le cirage et en plus ça donne des maladies terribles à ce qui paraît. Et mes dents, vous avez vu ça? C'est encore ma mère. Elle m'a emmenée chez le dentiste pour un détartrage. Oh, c'est quoi ça? Ouais, chez moi, c'est les lavabos qu'on détartre. Et puis, évidemment, je continue de me brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tu as raison, Nicolas. Et c'est ce qu'il faut. Avec le bronzage, ça te fait un sourire d'acteur d'Hollywood. Hein, Cédric? Quoi? Eh bien, que si on veut avoir un beau sourire, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tout ça m'a un peu tracassée sur le coup. C'était vrai que... Mais je suis pas comme Nicolas, moi. Je passe pas mon temps à tout faire pour en mettre plein la vue à tout le monde. Enfin, à la sortie de l'école, j'avais tout oublié. Bien sûr, gamin, et toi? Super, bébé! Dis donc, Cédric! Oui, maman? Tu ne t'es pas encore lavé les dents ce matin. Et ça fait, voyons, 1 semaine que ça dure. 1 semaine? Oh non! Quand même pas, maman! Et alors, comment tu m'expliques que ton nouveau tube de dentifrice et ta brosse soient toujours intacts depuis 8 jours? 8 jours déjà? Bon, allez, Cédric, inutile de te chercher des excuses. Promets-moi plutôt de faire un effort, d'accord? Oui, maman. Dis, Pépé, tu le trouves comment, mon sourire? Ton sourire? Pourquoi? On t'a fait une remarque là-dessus? Ta petite chinoise, peut-être? Non, Pépé, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est juste une question comme ça. Ben, rassure-toi, gamin, il est très bien, ton sourire, enfin... Pour le moment. Hein? Pour le moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ta mère a raison, gamin. Si tu ne soignes pas les dents comme il faut à ton âge, tu risques de le perdre, ton beau sourire. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ah oui? Raconte, Pépé. Ah, les histoires de mon Pépé.
Papa, souvent, il dit que Pépé radote. Eh ben, moi, je trouve pas. Même quand je comprends pas tout ce qu'il dit, ça m'intéresse toujours, les histoires de Pépé. À ton âge, je m'occupais pas beaucoup de mes dents, moi non plus. Pas du tout. Ah, il faut dire qu'il y avait moins de dentistes qu'aujourd'hui. Tiens, quand on avait un mauvais goût dans la bouche... Bonne rasade d'eau pour se rincer et ça nous suffisait. Ben nous, c'est chewing-gum. C'est marrant aussi. Etienne, regarde ça. Eh ben moi j'aime pas beaucoup quand tu me rumines ton chewing-gum au nez. On dirait une vache qui regarde passer le train. Dis Pépé, arrête tes bêtises. Continue de raconter. Eh ben le résultat, c'est que les années passant, j'ai commencé à avoir des trous dans les dents. Des trous? Pas des trous, papa. On dit des caries. Des caries, c'est ça. Pas des trous, quoi. Et ça faisait mal? Ah, oui. Et pas qu'un peu. J'en ai passé des moments difficiles. Et nous, donc? Tu t'en prenais à maman et à moi comme si c'était de notre faute. Cédric, est-ce que tu pourrais arrêter de tourner en rond? Ça ne te soulage pas et ça énerve le petit. Mais le pire, tu vois, c'est que les trous... Les caries, papa. Les trous, ça grandit. C'est au bout d'un moment, forcément, les dents tombent. Dis donc, Pépé, t'as dû en gagner des sous. Des sous? Bah ouais, quoi. Avec ce truc de bébé de la petite souris, moi, j'ai eu pas mal de sous comme ça. Et même qu'une fois, je t'ai mis une fausse dent sous le verre. Tu crois que j'avais pas vu? Et puis attention, gamin. Ces dents-là, c'est pas comme les dents qu'on perd quand on est petit. C'est des dents qui ne se remplacent pas. Ah ouais, évidemment, c'est pas pareil. Au début, je m'en fichais. Une dent de plus ou de moins. Seulement voilà, à la longue, toutes mes dents ont fini par attraper des trous. Des caries, papa. Jusqu'au jour où, en me rasant, tu vois, j'ai réalisé une chose horrible. Il n'y avait plus qu'une dent sur deux. On aurait dit la grande muraille de Chine. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, Pépé? Ben, pendant tout un temps, j'étais tout gêné. Et c'est à peine si j'osais ouvrir la bouche. Et nous, on croyait que tu faisais la tête. Bon, ben, tu vois, c'était même pas ça. Dis donc, Cédric, si quelque chose ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ton ami Nicolas nous rend visite. Bonjour, vous deux. Au moins, il est souriant, lui. Bref, gamin, à un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'aller voir un dentiste. Quoi? Hey. C'est toi qui as décidé d'aller chez le dentiste? Oh, j'aurais voulu que tu vois ça, Cédric. Il a fallu qu'on le traîne, oui, maman et moi. T'as eu mal? C'est pas tellement ça. À cette époque, on endormait déjà. Seulement, le dentiste, il a dit que c'était trop tard et qu'il fallait tout enlever. Enfin, ce qui restait. Tout enlever? Eh bien, dites donc, monsieur Cédric, vous auriez dû venir me voir un peu plus tôt, parce que là, je ne vois qu'une solution, tout enlever. Remarquez, on fait de très beaux dentiers, maintenant. Et alors, Pépé? Comment t'as fait sans tes dents? Ben, pendant des mois, j'ai pu manger que des soupes ou à peu près. Et des épinards quand même, hein, Pépé? Bien sûr, gamin. Mais surtout, un beau jour, j'ai eu mes nouvelles dents. Qu'est-ce que j'étais fier en sortant de chez le dentiste. Et je souriais à tout le monde, et tout le monde me souriait. Mais par-dessus tout, j'avais hâte de rentrer à la maison. Sourire, tu voulais aussi le montrer à grand-mère. Ouais. C'est ça. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai pas pu. T'as pas pu? Pourquoi?
Cédric, tu devrais... Alors, qu'est-ce qui se passe, docteur? Votre épouse ne va pas très bien, monsieur Jules. Je dois malheureusement vous parler sérieusement. Mais maintenant, t'es content avec tes nouvelles dents? Hein? Oui, bien sûr. Mais entre nous, ça remplacera jamais les premières, tu comprends, gamin? Et maintenant, laisse-moi un peu tranquille, tu veux bien? Tiens, à ta place, je foncerai me laver les dents. Oui, bébé! Oh, bébé, il a vraiment le truc pour me faire comprendre des choses. Même que j'ai failli en oublier le rendez-vous que j'avais avec Chen. À tout à l'heure, bébé! Allez, gamin! Oh! Tout le tube? Il a utilisé tout le tube! Tout le tube? Crazy Chou! Oh, 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 sacré gamin, va! Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est mon pépé qui me racontait une histoire. Oh, je te comprends. Je l'aime beaucoup, ton pépé. Dis-moi, Cédric, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ah! Tu as un beau sourire, tu sais. Un beau sourire. Oh, pépé, si tu savais comme je t'adore. Pauvre mémé, elle doit s'ennuyer sans toi toute seule. Chen, mon bouton d'or, je te le jure, pour toi, je le garderai toujours, ce beau sourire. C'est un tas de trucs quand on a 8 ans et qu'on aime. Et n'oubliez pas, demain c'est la Chandeleur. Nous ferons des crêpes. Je compte sur vous pour apporter les ingrédients et les ustensiles. Oui, mademoiselle Nelly. Dites donc, on devrait se mettre d'accord pour savoir qui apportera quoi. Tu m'as bien regardé. Les crêpes, d'accord pour les manger, mais les faire, ça va pas la tête. Très bien, cette fille pour s'en occuper, Christian. Il me faisait marrer, Christian. Il était bien capable de se ridiculiser en se pointant avec une poêle et tout le bazar. Moi, j'avais préféré m'occuper de l'ambiance. Ça compte drôlement dans une fête, l'ambiance. Tu fais quoi, gamin? Des confettis, c'est pour la fête de demain à l'école. Cédric, viens mettre la table, s'il te plaît. Mettre la table? C'est un truc pour les filles, ça. Dis donc, tu ne crois pas que t'es un peu jeune pour jouer les machos? C'est quoi, un macho? Eh bien, c'est un homme qui se croit le maître dans le couple et qui refuse de faire le boulot de la maison. Heureusement, ton père n'est pas comme ça. Bien sûr, la semaine, il n'a pas trop le temps. Mais le week-end, il est toujours d'accord pour donner un petit coup de main. Fait merveilleusement le ménage. Vos pieds. Et il s'occupe du jardin. Et ce n'est pas tout. Souvent, il m'emmène au restaurant, puis nous allons danser. Tu comprends maintenant pourquoi je l'adore. D'après maman, il y avait deux sortes de garçons. Les machos et ceux qui ne l'étaient pas.
Et toujours d'après maman, les filles adoraient ce qui n'était pas macho. Le savoir me faisait prendre une avance considérable avec les filles, et surtout avec Chen. Mais quelque chose me tracassait. Et lui ? Oh, papa ! C'était plutôt en semaine qu'on n'avait rien à lui reprocher. Oui, mais le week-end... Tu vas laisser ta mère tranquille, dis ! Le week-end... Maman, il est où, papa ? Il joue aux boules avec ses copains, chérie. Il mange pas avec nous ? Si, mais il a dû oublier l'heure. On va commencer sans lui. Oh, voilà papa ! Ça s'est bien passé, mon chéri. J'ai perdu 3 parties. Qu'est-ce qu'on mange ? Pas. Il était comme ça quand il était jeune, mon pépé. Bon, mince alors. Et pourtant, je sais bien qu'il l'aimait très fort, mémé Germain. Mais tu l'emmenais souvent au resto, mémé, hein, pépé? Bien sûr. Au début, du moins. Eh bien, ça devait vraiment être au tout début, car moi, je ne m'en souviens pas. Mais tu l'emmenais danser? Tu sais, gamin, j'ai jamais été franchement fort pour la danse. Mais tu faisais les courses quand même. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai... C'est vrai que tu avais un travail fatigant. C'est vrai aussi qu'avec maman, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais je ne l'ai entendu râler. Elle t'adorait. Et franchement, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ? C'était vraiment comme t'as dit? Tu sais, c'était une époque différente. Les hommes trouvaient normal de ne rien faire à la maison. Bon, c'est vrai que dans le passé, ton pépé n'a été ni un mari, ni un père très présent. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est un grand-père vraiment formidable. Va le chercher, on va dîner. Pépé! Pépé! Oh! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? T'as pas entendu ta mère? Mauvais mari et mauvais père, voilà ce que j'ai été. C'est pas ce que m'a dit maman. Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que t'étais un grand-père formidable. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Bon, Pépé n'était plus fâché. Mais moi, je savais plus quoi penser. D'abord, maman me dit que les filles adorent les garçons qui font le boulot à la maison. Et ensuite, elle me raconte que Pépé fichait rien à la maison, mais que mémé l'adorait quand même. Alors, il faut que je fasse quoi, moi, pour que Chen m'adore? Quelque chose te tracasse, fiston? Bah, je croyais que pour plaire aux filles, il fallait être cascadeur, ou au moins aviateur. Mais maintenant, avec ce que m'a dit maman, je sais plus. Si tu veux une recette, je te rassure, il y en a pas. Mais... Mais? Quand on y réfléchit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ta chinoise, par exemple. Oui. Au début, tout ira bien. Ça va toujours bien au début. Vous travaillerez probablement tous les deux. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Mais je suis prêt à parier que ta chinoise travaillera le double de toi. Ah bon? Si tu ne changes pas tes habitudes, en plus de son travail à l'extérieur, Chen aura tout le travail à la maison. Alors évidemment, ça ne pourra pas durer. Un jour, elle va craquer. Pas
pas mes BD quand même. Tu parles, bien sûr que si, tes BD. Et crois-moi, ça sera qu'un avertissement. Un jour, elle en aura tellement ras-le-bol que c'est toi qu'elle balancera. C'est bien pépé, ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mmh. N'empêche qu'il m'avait fichu la trouille. Et le lendemain, c'était la Chandeleur. Qu'est-ce qu'elle allait penser, Jen, si je lui laissais tout le travail? L'heure était grave. Bon, un kilo de farine plutôt que deux, six œufs. Oui, maman, je vais être en retard. Le lait, bon, tu as de quoi garnir tes crêpes. C'est parfait. Non, mais dis donc, c'est quoi ce sac? À ton avis, on va faire des crêpes, non? Te gonfle, toi, tu dis une chose et puis t'en fais une autre. C'est quoi ce truc? Une crêpière. Le manche est en argent et elle est dans la famille depuis trois générations. Dis donc, t'as vraiment pensé à tout, Cédric? Il y a même la cuillère en bois. Tu peux me donner deux œufs, j'ai oublié d'en prendre. Prends plutôt ceux-là, ils sont tout frais. Notre fermier les apporte spécialement à mes parents. Parce que mes œufs à moi, ils sont pas frais peut-être? Non, mais... Et comme ça, ils sont frais? C'est pas moi, c'est lui qui... On voulait seulement deux œufs et regarde. Ils sont vraiment impossibles, ces garçons. On peut jamais compter sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient ce sac? À moi, mademoiselle Nelly. Tu me ramasses ça tout de suite. Je ne veux pas te voir au goûter tant que la cour ne sera pas nettoyée. Incroyable. Moi, j'avais fait le maximum pour plaire à Chen. Et ce Nicolas de truc de machin chose, il avait tout fait rater. Maintenant, elle me prenait pour un guignol sur qui on peut pas compter. Cette fois, c'est fichu. Complètement fichu. Faut pas dramatiser, c'est quand même pas la première fois que se met en pétard, Chen. Mais tu comprends rien, mais alors rien de rien aux filles ou quoi? Faudra pas que tu t'étonnes plus tard si Caprice elle te jette par la fenêtre. Hein? Mais pourquoi ferait ça? Pendant que Christian me donnait un coup de main, je lui ai raconté ce que Pépé m'avait dit. En fait, ce qui lui manque à Christian, c'est un Pépé pour lui expliquer les choses. Et tu dis qu'elles bazarderont toutes nos affaires, même nos BD. Elles sont pas un peu malades, les filles? Elles sont pas malades! Elles veulent pas faire tout le travail toutes seules. Et maintenant qu'on est là, les mains vides et qu'elles, elles ont tout préparé, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu me montres? C'est un truc de fille. C'est un vrai boulot. Et pourtant, j'ai trouvé ça marrant. En fait, ce qui m'a fait plaisir, ça a été de faire plaisir aux autres. Surtout à Chen. Oh, pour elle, j'ai appris à faire les crêpes. Et j'apprendrai à faire les gaufres, les gâteaux, les frites. Et peut-être le riz aussi. Alors, gamin?
8 ans. Casse-tête, l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, Tarantule Boy. Je vais te dévorer, t'avaler, te digérer. Oh, oh non, c'est... Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner. Le jour pendant les cours. Au dîner. Et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit. Adultes sont bizarres. Pourtant, Mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Nom de nom ! Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de vous comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, ouste dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement. Papa. Ben quoi? La question idiote, réponse idiote. Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de question, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise! Oh, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi? Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux pépé. C'est bien à ta petite Vietnam... chinoise que tu penses, hein? Mais puisque je te dis que non. Dis-moi, pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu mémé Germaine? Oh non! Ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, pépé! Elle s'appelait Marie.
et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle traillait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'est exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la Biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles, et puis d'autres encore. Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la Biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents. Mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi! Un jour, ta chinoise te quittera. Hein? Mais non! Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi poursuivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est toi qui vois. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui? Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution. Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Oh.
Encore un peu de chocolat, Cédric? Non, merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Nom de nom, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric? Oui, Chen. Je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.